connais pas la vie d'un. Hey. Je me fous bien, c'est une copine. Okay. Il faut qu'on nous voit. Wow. Wesh les home gangs, autre gars Sam et Kézomi. Ça dit quoi les bros? Ça va bien? La semaine ça se passe tranquille dans la. Y a la stank, y a la santé. Bref, on est reparti avec un format que j'ai fait. J'ai sorti mardi, mais que j'ai déjà fait avant, mais que je ne faisais. J'avais arrêté de faire. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai vu que le mardi ça vous a beaucoup plu. Du coup, je me suis dit, c'est quoi? On va enchaîner. On enchaîne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sam et Kézomi, homie gang, tu vois ce que je veux dire? Oh, le homie gang, c'est quoi? C'est littéralement la meilleure communauté de YouTube. À partir du moment où tu rejoins cette communauté, hey yo, what the fuck? Avance dans la vie, d'accord? Une personne plus heureuse, plus joyeuse, car il s'en dégage que la bonne énergie. Good vibe, good mood. On est parti, let's go. On lui dit ou pas, déjà quand tu vois déjà Polska, tu sais que ça va être une dinguerie. Il y a plein de pays qui perdent en ce moment, mais j'espère que c'est quand même un pays africain qui va gagner la CAN, c'est important. J'ai dit quoi? J'ai dit, c'était sûr que ça allait être une masterclass. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est quoi le pire? Deux choses, ou une chose, je sais pas, bref. Je me dis, peut-être fait exprès, parce que cette meuf, mine de rien, on la prend pour une conne, mais elle est pas si conne que ça. Mais en même temps, quand je la vois sur les réseaux, je me dis, elle a pas... Elle utilise pas ses capacités à 100%. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moins 100%, je pense. Mais je pense en vrai de vrai, vu sa tête, je pense qu'elle fait exprès. Elle est pas mal en vrai de vrai. Je parle du texte, je parle pas de la meuf. Merci, Kelsey Cake. Vraiment, j'ai demandé la reine des neiges pour ma petite nièce. Regardez le boulot. Elle a commandé la reine des neiges, elle a eu la reine des singes. Ah! T'es mal au gâteau, frère. Ah ouais, il y a une volonté de nuire, là. Il y a une volonté de... Est-ce que, en vrai de vrai, quand t'es pâtissière ou pâtissier, on te commande la reine des neiges, ok? Donc ça veut dire que quand tu fais ton gâteau, t'as un modèle sur quoi te baser, ok? Du coup, tu fais ça. Et quand tu finis, tu dis quoi? Tu regardes le truc, tu dis... Ah, c'est ça. Franchement, c'est ça. La vie d'homme, c'est ça. PTDR, ah ouais, les meufs de Marseille, c'est trop. Marseille, ah ouais, t'es loin de chez moi, t'es doux. Tour. Ok, donc ils se donnent leur localisation. Et je t'ai pas demandé, je t'ai pas demandé où tu habitais, tu es d'où, pas où tu habites exactement. Je m'en fous que tu habites dans une tour. Ah, après, tu peux pas juger. T'as vu, il y en a qui n'ont pas fait de géographie. Mais même, gros, tout, t'es en France. Je veux dire, moi, je suis arrivé à 10 ans. Il y a 10 ans, je connais déjà quasiment toutes les villes de la France sans même les avoir fait. Tu vois, il y a une curiosité logique. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai demandé où t'habites. Je t'ai pas demandé si t'habites dans une tour. Ah, c'est trop cette meuf. Zemmour, il regarde la météo comme ça quand il entend que le ciel est voilé. J'aime tellement le genre de blague. Genre, tu prends un mec raciste, tu vois, et tu le tournes un peu en auto-dérision avec son racisme. Ce genre de blague, je kiffe de ouf, moi. Je sais pas pourquoi, c'est mon petit point faible, tu vois, des blagues comme ça. Le pire truc, je veux rien savoir. Alors, bien sûr, ça va parler uniquement à ceux qui ont des AirPods, tu vois ce que je veux dire. Vous savez comment, je vais vous expliquer comment j'achète ces AirPods rapidement, ok? C'est une histoire assez folle, parce que de base, moi, je suis sur les filaires. J'étais dans mes filaires, mon cousin, il était là. Ouais, non, mais Sam, prends les AirPods, ça va te changer la vie, moi. J'étais là en mode, non, je ne veux pas avancer dans la technologie, ok? Un jour, j'étais dans le métro, vous savez, le 10, il n'a pas de prise jack, ok? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je rachète un adaptateur pour prise jack. Et du coup, je continue à utiliser mes filaires. Sauf que le problème qui se pose, c'est qu'au fur et à mesure que je l'utilise, j'ai l'impression que mes écouteurs se dégradent. Et un jour, je sors de la fac, je suis dans le métro, ok? Il y a un mec en face de moi, il est en AirPods sur un écouteur, ok? Tu sais, quand tes écouteurs commencent à te faire chier, tiens, les jacks là, tu commences à faire comme ça et tout et tout. Et du coup, mes écouteurs, ils sont en train de me lâcher. Et j'ai mon téléphone, je lâche là. Ouais, putain, ça marche pas. Et les gars, le mec était en face de moi, le regard qui m'a lancé. Je me suis senti humilié. Ok, d'habitude, je ne calcule pas le regard des gens. Je m'en bats les couilles. Mais la vue, comment il m'a regardé de façon très insolente en mode. Petit noir, tu n'as pas d'argent. Oh! Et là, c'est dès cet instant, la façon dont il m'a regardé, ce regard insolent, j'ai pris mon téléphone. Je suis allé sur. C'est quoi le site d'Apple? Le site d'Apple, d'accord? J'ai commandé les derniers AirPods. Tac, tac, tac. C'est nous ou pas? Ok.
Téléphone batterie à 48%, un côté à 2%, l'autre côté à 100%, le boîtier à 20%. Mais ta vie est aléatoire, frérot. Comment tu peux? Alors le téléphone 48%, c'est possible. Les écouteurs 1%. Gros, t'es agent secret, tu marches un seul côté, c'est quoi le bail? Toujours bon de rappeler que ce snap existe. Voilà, il y a une fille avec des cheveux roses, elle m'a demandé mon snap MDR, nique ta mère Sakura. J'ai l'impression que personne ne respecte Sakura. De tous ceux qui ont regardé DBZ, Naruto, il n'y en a pas qui respecte Sakura ici, sérieusement. Non, en vrai, Sakura, c'est vraiment la meuf détestable. Vous savez, à partir du moment où elle devient détestable, ok. Bon, elle a toujours été détestable parce qu'elle est chiante de base. Mais pour ceux qui ont regardé Naruto, parenthèse rapide, quand Naruto va chercher Sasuke, je sais pas quoi, et veut le retenir. Et la technique pour le retenir, c'est de lui dire Naruto, je t'aime, reste. Ça fait 10 ans qu'on regarde Naruto. On sait que tu kiffes Sasuke. Oh, c'est. Ah, bref. Elle a osé demander, et moi, le culot en personne, cette meuf. En fait, je suis nouveau en France. Je n'ai pas quoi manger, je n'ai pas où dormir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, un petit pièce pour m'aider à avoir, pour manger, des trucs comme ça, s'il vous plaît. J'ai peut-être des pièces. Non, t'es sûr que t'as des pièces? Oui, j'ai des pièces. Oui, bonjour, vas-y, donne-toi. J'ai 4 euros. 4 euros? Ça peut vous aider ou pas? Bah oui, bien sûr, tu peux m'aider. Oui. Vous voulez pas qu'elle me donne? Mais non. Pourquoi? J'en ai besoin. Mais nous aussi on a besoin en fait. Vous aussi vous avez besoin? Oui, on a besoin. Il a plus besoin que nous. Hein. Bah, moi c'est pour manger, j'ai pas où dormir, je connais personne. Qui a dit nous, on connaît même. Vous voulez, votre collègue m'a donné, vous voulez que je le rende ou vous voulez pas me donner? Non, moi je ne me rendais pas. C'est bon, vous m'avez offert? C'est bon, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Vous êtes... Wesh, la Renault c'est une tuin, wesh, c'est quoi ces comportements de merde là? En fait, du coup, vu que vous avez été gentil avec moi, oui. J'ai une boîte d'AirPods, j'ai des AirPods que je vais vous offrir. Merci. Je vais t'offrir des AirPods. Merci. À toi, parce que tu as été gentil avec moi et je te rends tes 4 euros. Merci. Et moi? Toi quoi? Et moi? Tu voulais pas qu'elle me donne les 4 euros? Les meufs avec des voix bien graves, bien gazo, bien drill. Cette ville à Chavon, t'es mal à taille de la Big Rex. Cette chouette veut passer ma pasta, je suis de la châtain, puis je next. T'es convaincu? Y'a vraiment des bougues qui kiffent les meufs comme ça? Autant se taper des mecs en fait, tu vois, autant te taper des mecs frérot. PTDR, on a tous la même vie. Quand je vais aux toilettes après le passage de mon père. Kirikou. Quel honneur! Je ne peux pas respirer ça! Je veux mourir! Il faut que je sorte d'ici! Bon. Mais déjà, quelle erreur d'aller aux toilettes après son père. Mais même pas après son père, après n'importe qui en fait. Tu dis ça en mode. C'est pas que ton daron. Bon, après nous, petits, ça c'est surtout par rapport à l'enfance, oui. Mais c'est une erreur tout simplement d'aller aux toilettes après une personne. Peu importe que ce soit ton père ou quelqu'un d'autre. Miaou, montre ton outfit. Job riche. Est-ce qu'il avait pas fait ça en réponse à Booba, un style comme ça, genre autodérision? Yeah. Bon, le traitez pas de... Je sais pas. Quand tu trouves un préservatif d'il y a 10 ans sous ton lit. Pour déjà avoir retrouvé des préservatifs que j'avais perdus, j'étais pas comme ça. Et je trouve qu'il garde un bon état, oui. Je sais pas vous, mais... Moi, j'ai déjà eu des préservatifs que je retrouve et ils sont toujours en très bon état. Est-ce que je les ai utilisés? Ça, c'est une autre question. Les darons des rappeurs, quand ils disent « la rhume est levée ». Mon fils ne pourra pas être rappeur. Mon fils ne pourra pas être rappeur. S'il fait du rap, il va pas faire du rap. Il va faire du R&B, Zouk Love, là. C'est ça qu'il va chanter. Il peut pas faire du rap. Vu comment il sera éduqué, vu le cas de vie qu'il aura, si Dieu me donne. Mais il pourra pas être rappeur. Il peut pas. Mais je vais le tabasser quand il va dire des trucs comme ça. C'est la rue qui t'est... Ah bon? MDR, allez vous faire soigner. C'est une rouge. Oh là là. Alors, la question que je me pose, il a pris juste la photo pour la prendre ou il a vu qu'il pouvait avoir une photo exceptionnelle?
Et ou alors, est-ce que on a tous l'esprit mal placé? Ouais. C'est parce que souvent les photos comme ça, c'est ça. Hein. Mais ça, ça m'arrive à chaque fois, gros. Je regarde une image, je vois des choses sombres, noires. Et je me dis, est-ce que c'est moi qui ai l'esprit tordu? Ou bien, mais, bon, en général, la plupart du temps, tout le monde voit la même chose au début. Et on se dit tous, on a l'esprit mal placé. Mais bon, ça me réconforte dans le sens où là, je suis pas le seul, tu vois. C'est réel, il a tout dit. Pour 90% des meufs, ne quittera jamais son mec tant qu'elle a pas un autre plan à côté. Un jour, c'est d'une simplicité sans nom. La différence entre un homme qui trompe sa femme et sa femme qui trompe son homme, c'est que les hommes, ils n'y mettent pas les sentiments. Je m'explique. Un homme qui trompe sa femme, c'est que pour le coup d'un soir avec une fille qu'il va peut-être jamais revoir ou qu'il va revoir de temps en temps, mais jamais il aura de sentiments pour cette fille. Il ne va pas quitter sa femme pour cette fille parce que tout homme sait qui est sa reine. Après sa mère. Ça veut dire qu'il trompe sa femme, mais il revient à sa femme. Et ils reviennent tous à leur femme. Mais les femmes, elles ne pensent pas comme les hommes. Les femmes, elles y mettent des sentiments. Ça veut dire que quand la femme, elle va tromper son homme, la personne avec qui elle le trompe, c'est pas le coup d'un soir. Il y a déjà des sentiments. Ça veut dire que quand une femme te quitte et directement elle est... Ici, on ne trompe pas. Ici, on ne trompe pas. Donc, les débats comme ça, vous les décalez de côté. Mettez-vous à côté. Ici, on ne trompe pas. D'accord? Il n'y a pas de Congolais ici. Oh! Il n'y a pas de métis ici. Il est mal perdu. Je suis désolé. Je taquine. Mais c'est pas cool de faire des blagues comme ça. Un pauvre, un riche. Très poétique tout ça. En mode, on va tous finir enterrés. On va tous mourir. Ouais. C'est clair, on finit au même endroit. Ouais. Mais il y en aura un qui aura plus profité de sa vie que l'autre. D'accord. XPTDR, touti tati s'a mis en story. Celui qui fait le mieux le bébé, je lui donne mon lait. Guetté CDN, ça j'ai vu passer l'erreur. Viens mimi, viens mon mimon, viens mon lait. Je veux mon lait. Donne-moi du lait. Ouais, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim, maman. Je veux. Moi, je veux mon biberon. Je veux. Je suis un bébé, je veux mon biberon. Je suis un gros bébé qui veut son biberon. Maman, j'ai faim. Vous en avez assez entendu. Eh, les refs. Messieurs, c'est triste d'en arriver là. Oui, c'est. Y a pas à être affamé comme ça. En plus, elle est gentille. Elle monte pas les blazes. Mais quelle honte. Quelle honte pour Vous n'êtes plus des hommes. Allez mettre vos strings. Vous n'êtes plus des hommes. Quand il y a quelqu'un à côté de moi qui dit un truc drôle, mais que je peux pas rire parce qu'on se connaît pas. Vous savez, je suis de ceux qui disent souvent que c'est pas bien, du moins, de ceux qui disent, c'est pas bien d'écouter les conversations des gens, mais parfois ça m'est arrivé d'en écouter, et même parfois ça m'est arrivé de regarder le téléphone des gens. Alors j'aime pas qu'on le fait, tu vois, mais parfois je sais pas, mais je me rappelle d'une fois, mais je pense que c'est l'une des rares fois où franchement je sais pas pourquoi j'étais concentré sur le téléphone là, de la meuf à côté de moi. J'ai oublié ce qu'il racontait, mais. Oui, non, mais tu t'aurais pas dû répondre ça en fait. C'est le mec trop à fond, quoi. Bahaha. Bahaha. Qui rit comme ça? Bahaha. Qui rit comme ça? Bahaha. Elle a refait ma vie. Bon, je vais vous montrer la technique pour faire un enregistrement d'écran sans que la personne la voit, genre. C'est trop bien. Bref, attendez. Tu vois, ça, c'est un truc typique de meuf, en fait. C'est un truc typique de meuf. Tu vois, quel mec fait ça, en vrai? Moi, si je veux capturer un truc quand je te parle, je capture. Pourquoi tu captures? Parce que je capture, tu vas faire quoi? Ok? Ça, c'est vraiment un truc de meuf, en fait. C'est grave un truc de meuf. Mais on va quand même regarder la technique. On va regarder la technique, ok? Bref, là, c'est le téléphone à ma pote. Et ça, c'est mon compte. Alors, vous écrivez bla, bla, comme ça. Ensuite, vous mettez tout sélectionné. Ensuite, vous mettez chercher. Ensuite, vous faites comme ça. Et là, vous lancez l'enregistrement d'écran. 3, 2, 1. Si vous appuyez, vous revenez. Là, de ceux qui me regardent, il y en a qui sont comme ça. Oh, j'ai cherché la pote de ma meuf. Elle a pas fait de capture. Je croyais qu'elle n'a pas fait de capture d'écran, mais en fait, si. Hey, bro. Attendez. Et là, vous pouvez tout faire. Vous voyez? Et une fois qu'on a fini l'enregistrement d'écran, et ben, regardez, il n'y a rien. Vous voyez?
Ah les gars, belek, hein, faites attention à vous, hein. C'est les mecs qui ont l'habitude de chercher 1000 meufs là. Faites attention à vous les refs. Le fait qu'il réagit comme ça parce qu'il y a une embrouille dehors m'éteint. Eh bro, s'il pouvait parler, il aurait dit yo, calm down, calm down. Pour les chouris comme ça, il sait des trucs. Lui, il sait des trucs. Il sait que ça allait péter, wesh. Comment il a coupé le live, je suis morte, miskine. Ma belle, je suis grillé. Eh bro. Ah, gros, une bombe qui est sortie, ma gueule. MDR, c'est trop ça. POV en 2012, quand on a enregistré nos musiques avec le microphone. Oh, j'ai grave fait ça. Nantité. Arrête ta vieille musique, on y va. Arrête ta vieille musique, on y va. Oh. Tu sais, moi, je le faisais aussi pour, tu sais, les messages, du moins, ma messagerie vocale. Tu sais, je mettais ça comme ça. Et après, je disais, ouais, je suis pas là. Tu vois, pour avoir un truc stylé. Putain, on a la même enfance, c'est grave. Franchement, je vous cache pas, je vous plais la nouvelle génération. Hein. Je pense que la nouvelle génération, vous aurez pas de trucs super marquants, tu vois. Il y aurait pas de, je sais pas. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société qui, voilà, non, j'arrête, on continue. Il essayait d'enfermer son frère à l'extérieur, mais il était vaincu par une gestu, parlez français aussi, les gars. Wouh, ok, Ninja Boy. Eh, hey, gros, il a fait ça. En mode, hey, tu connais pas, moi j'étais à l'école Shinobi, moi, tu connais pas. PTDR, c'est un mari ou une IAZ? Ah ah oh ah ah oh bro, il s'agit d'aller consulter là mon gars. Hey, gros, tu sais, je sais pas si je ronfle, mais lui c'est une dinguerie par contre. Hein. Lui il doit aller consulter. Au niveau de la bronchite ou juste en dessous du cœur, ça va pas du tout. Il faut qu'il consulte. Mais par contre déjà, force à cette femme. Hey, c'est une moto, frère. Déjà, force à cette femme parce que il faut le faire. Moi, j'aurais changé de chambre. Bref, les gars, c'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé. C'était une vidéo chill. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner et à rejoindre la homie family, la homie enterprise, le homie gang. On se capte rapidement. Bon week-end. Peace.